On a cassé le loop. L'autre côté. Là, ici, on casse le loop. On a 1, 2. Ça peut être intéressant. On casse ici aussi la dynamique. Très bien, très bien. Oh. Il y a un David qui croit qu'il est caché. Hein. Il m'a vu, il s'est baissé. Genre mode... Oup hein. Genre là, il s'est caché dans la voiture. Allez, ça va se mettre à courir. Il va aller dans le piège, là, en face. Je vais aller par la gauche pour qu'il aille à droite. Voilà. Très bien. On va faire ça. Je vais l'obliger à faire le tour. Vas-y. Vas-y, va à gauche. Et il l'a pas fait. Eh ben, je suis dégoûté. Voilà. Ok, ok. Petit va à gauche, très bien, très bien. Bah alors. Mais, dis donc que tu... Je suis un tueur en série, respecte-moi quand même. Je suis un horrible monstre. Voilà. À tout droit. Ça, s'il te plaît. Ouais. Oh non, mais... Ok. Les deux sont là. Vous êtes les deux à être blessés, son mec. Ok. Très bien. Merci Maras pour le raid. C'est tellement... Ça, vous savez, c'est tellement... Merci beaucoup pour le raid. C'est vraiment adorable. Et ça va. Ah, ah. C'est non... Rien de... Ok. Okay. Un, deux. Ok. Un qui est là. Ah, c'est serveur pour les 28 mois, merci infiniment. C'est qu'il y en a un là. Il va aller en face. Je fais ça. Non? Quelqu'un pour les deux ou pas? C'est beau ça. Allez, allez. C'était juste de la frime. Hein. Ce que j'ai fait, c'était vraiment juste pour... impressionné. Ah, quelqu'un qui va essayer de le lever. Elle a levé, très bien. Elle est en face. Très bien. Il y en a un autre là. Vous savez, du coup, se soigner, c'est long. Et c'est problématique. Et pas que. Ils se soignent, je sais où est-ce qu'ils sont. Ils tombent, je sais où est-ce qu'ils sont. Donc là, je vais aller par là. Et je vois, quelqu'un va aller par là. Essayer d'avancer la réparation. On va voir peut-être une aura apparaître. Alors qu'ils essaient de se soigner. Ok. À gauche, il répare. Ok. Le petit burst. Ok. Et nous avons ici quelqu'un qui s'est pris le piège. Juste là. On va continuer. Juste là. Trois qui sont blessés. Elle fait le tour. Si elle fait le tour à gauche, elle se reprend le piège. Elle est partie loin. Elle essaie de se soigner. C'est compliqué pour eux. Encore une fois, ce qui m'arrange, c'est vraiment qu'il soit... Faut presser, si elle va à gauche, elle se prend le piège. Ok. Un qui s'est pris le piège, et l'autre qui est tombé. Voilà. Ok, parfait. On va lui donner un hit à elle. Pour le plaisir. Parce qu'on aime ça. L'idée, c'est vraiment, encore une fois, d'être extrêmement oppressif. Donc il y a un gros ralentissement de soins, avec oulrophobie. Il y a également, et pas que. Ok. Elle est tombée, maintenant je sais où sont les deux autres. Donc je vais aller voir celui qui est au sol. Bon, on va pas attaquer l'autre qui a été décroché. Il y en a un qui m'a donné sa position.
Il y en a un qui m'a totalement donné sa position. Je l'ai accroché avant. Je l'ai vu lâcher de la grenade. Donc voilà. J'ai vu accrocher. Je l'ai posé. Hop là. Autre m'a donné la position en soignant grâce à Laura. Et on sait qu'il y en a un qui est juste ici. Peut-être fait le tour en se cachant. Si c'est pas le cas, je vais le laisser faire décrocher. Et on va continuer par là. Ils sont peut-être en train de se soigner. Ok. Là, ce que je vais faire, je sais qu'ici, il y a quelque chose. Je récupère le deuxième piège. Je vais pas bloquer tout là-bas. Hein. Là, on a, je crois. Ils sont en train de se soigner. Le malus, là, il est pour le soin. On sait qu'il y a quelqu'un qui s'est fait décrocher là, donc on va peut-être voir l'aura terreur, vu qu'ils se sont fait décrocher. Peut-être voir un aura terreur à 28 mètres. Ils sont probablement un peu éloignés. Il y a quelqu'un qui est là. L'aura terreur qui a indiqué ma présence. Parce que l'aura terreur était un peu étendu, avec inquiétant. Et là, ils ont forcé. Voilà. J'ai vu quelqu'un qui a commencé à se faire soigner dans la cave. Donc je suis allé. C'était extrêmement ambitieux de se soigner dans la cave. Laura est là. De l'autre personne. On va chercher. On a posé le piège à la sortie. Palette ou pas? C'est ton moment. Merci Rogil pour les 4 mois. Merci pour ton prime. Elle va vers les pièges que j'ai savamment posés et qu'elle va se prendre à 2 milliards de pourcents. Si elle fait le tour à droite. Ou si elle va à gauche, elle se prend le piège. Si elle fait le tour et qu'elle essaie de prendre la palette qu'elle a fait tomber, elle se prend le piège. Maintenant, je sais où est l'autre. Ok, merci pour ton prime. Lui, il va peut-être utiliser une grenade, c'est le cas. Mais ça ne servait à rien. Je regarde en l'air. C'est trop visible ce qu'il a fait. Trop visible ce qu'il a voulu faire. Parce qu'il il a déjà montré qu'il essaie de réparer. Enfin, de réparer. Il a déjà montré qu'il essaie de lâcher sa grenade. C'était extrêmement visible. On sait que son moteur est cassé. On a un trigène là, donc c'est ce qu'on va faire. On a une ouverture vers où? Ok, ouais, c'est pris le piège. Piège que j'ai posé de manière chirurgicale, mais pas si énervé que ça. Hein. C'est vraiment juste devant une palette. Mais ça assombrit. Hop. Quelqu'un autour? Non, ok. On va récupérer ça. On va ouvrir ça. On sait qu'il est pas à côté, on le sait. On le sait parce que sinon... Sinon, il aurait hurlé de plaisir. Donc on va aller continuer par là. Il est en P3, donc il va pas être abandonné. Ok. Il est en cours de réparation, donc probablement dans le coin. Ah si! Ici, l'abandon. Il a tenté le 4%, moi je suis plus à côté, donc voilà. L'autre il va abandonner. L'abandon de partie est réel. Donc en imaginant que l'autre abandonne, c'est ce qui risque de se passer. Il va pas se faire libérer. Voilà. Il va escompter sur la trappe. Donc chercher, on a la porte de sortie qui est. On va voir, on va voir. Voilà. Des chances à ce que le trouve la trappe et GG pour lui. Il y en a un qui a totalement donné sa vie. Pour. On va voir. Hein. C'est trop long pour moi. Il va trouver la trappe. Je pense. Oh, quoi? Non? Ok. Ça, c'est moche. Ok. On va tout droit. Ça c'est moche, c'est moche. On n'a pas entendu de corbeau d'AFK. Donc je vais là, j'ai déjà posé. Quoi donc? Un piège là-bas. Ah
qui était assombri à cause de mon goudron. Claudette, tu foutu. Tentative éhontée de s'enfuir. Voilà. Soigne-toi. Je sais exactement où tu vas être. Soigne-toi d'ailleurs. Je sais exactement où tu vas être. Très efficace. Saute. Voilà, fin. Très bien, très bien. Eh bien, c'est pas désagréable. Très bon combo. Dirigé sur la pression psychologique qu'on peut amener sur les personnages, à savoir la détection grâce à vocation d'infirmière, inquiétant qui augmente l'aura terreur, chlorophobie qui ralentit les soins dans l'aura terreur, et en plus, peur contagieuse qui donne une alerte. Lorsque quelqu'un tombe en état critique, les autres se mettent à créer dans l'aura terreur. C'est le moment des notations. Dwight. Très cher Dwight, les cours de techno sont studieux. En revanche, évitez de soigner les plaies de la récré dans une cave humide et pleine de sang. Le risque d'infection est grand. Claudette, il ne sert à rien de courir, il faut réparer à point. Jane, élève studieux pendant la moitié du trimestre. En revanche, à passer le restant des cours à se vider de son sang par terre. Merci de penser aux fonctionnaires de ménage. Jake, le sacrifice d'un bon élève ne vous permettra pas de passer à la classe supérieure. Merci de ne pas prendre de raccourcis vers la mort. Elle arrivera bien assez vite à vous.